que ça, ça m'énerve. Regarde, regarde comment on a des images. Rien dans le bus, moi je ne sais pas pourquoi. Oui, t'as manqué un peu. Non, ça fonctionnait d'abord très bien. Mais là, je remarque que c'est devenu tout. Avant, tu fais comme ça, là. Comme tu fais la main, là, tu la vois aussi. Là. Non, c'est devenu. Je sais pas s'il y a une manipulation à faire, je sais pas. C'est vraiment embêtant. Quelqu'un peut dire c'est passé. Moi je vais mettre dedans. Bon. On va finir. Bonjour. Ah tiens. Juste moi. Thank you.
Que 2 minutes parce qu'il y avait un peu des réparations. On a donné quand même une peu de chance voilà, pour rattraper tout ce qu'on avait pour voir ceci avant le déjà. Alors, Damien, je crois qu'on arrive au terme de 5 heures. On a fait 20 minutes pour venir dessus. Est-ce qu'il y a encore des caractères? Une heure, ça passe vite. On va arriver. En fait, en ce moment, on a tous les deux groupes. Oui. La dernière journée, on avait dit le temps sur une. Mais c'est bon comme ça, si vous les voyez, moi, tant mieux, tout le monde est là. Et une heure, tout le monde s'en fait sur hier, j'ai vu qu'il y avait tellement de 30 personnes. C'est bon, c'est bon. Thank you.
Alors, je voudrais que vous m'aimeriez de tout ça, vous êtes tellement similier que vous avez présenté des venus. On va passer à la correction de tout ça. Bon. Vous allez mettre votre bassin. Que représente le magnificat de question 1 C'est 1. Alors, une société, réponse A, une société comme tout autre, un groupe de gentils, une plateforme d'investissement économique, communautaire et sociale. C'est oui. D, toutes les réponses sont correctes. Alors, la bonne réponse, c'est la C. Donc, une plateforme d'investissement économique, sociale. Si la personne n'a pas mis C, alors vous mettez 0 à ce moment. Ok. Alors, question 2. Quel est son but? A. Je vais faire de la publicité. B. Faire de la promotion de groupement partenariat. C. Je ne sais pas. B. Alors, tout à fait, vous avez parfaitement raison. C'est B, la bonne réponse. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous mettre 0. Alors, la question 3. Quels sont les produits que vous proposez Magnifica? A. Conduit toutes les semaines. B. Conduit tous les mois. C. La vente des véhicules. D. L'actionnariat pour les 6 plus et sœurs. E. Toutes les réponses sont correctes. Alors, voilà, la réponse, c'est D. Mais monsieur, que se passe-t-il quand la personne sur le même. Oui, non, en fait, la personne te penche deux fois. Et si quand je te penche deux fois, E. Devenir son propre patron. F. Toutes les réponses sont correctes. Alors, la réponse ici est F. Toutes les réponses sont correctes. Je vous ai dit, c'est toutes les choses à la fois. Si quelqu'un veut devenir son propre patron, Je vais vous donner un peu de temps.
Lundi au rendez-vous de 9h à 10h,
le samedi de 9h à 14h, pour tes réponses au-dessus sont correctes. Ouais, ta réponse est C. Les réponses au-dessus sont correctes. On a approché le pari 2. Dans quel quartier est situé le siège de la Jupiter Corps? A. Marché de la Valise. B. Derrière le lycée. C. Matanda. D. Bac à la Chambre de Paloma, ou même au Rose d'Armée. Alors la réponse est bon. D. Alors, question 16. Combien s'élève l'école de lycée? Ils sont payantes combien de fois? Alors, réponse A, 1500. Soit 7500 pour l'école de lycée payable à la chance de sortir de l'avocat, et 5000 pour l'adhésion à la salariat payable pour le conseil de l'avocat. Soit D, 12500. 12500, soit 7500 pour l'adhésion à la salariat payable à l'avocat, et 5000 francs pour l'école de lycée payable à la chance de l'avocat. Ou bien c'est si tes réponses sont correctes. La réponse est B, évidemment. B. La réponse est B. Alors, quel est le capital de départ lors de l'investissement? Réponse A. Le capital de départ, c'est largement récupéré lors du retour d'investissement à hauteur de 3% du montant investi au départ. D. Le capital de départ, largement récupéré lors du retour d'investissement à hauteur de 100% du montant investi au départ. C'est le capital de départ largement récupéré lors du processus d'investissement à hauteur de 300% du montant investi au départ. C'est. Est-il possible d'avoir plusieurs contrats pour un seul produit? A. Pourquoi faire? B. Il n'est pas possible. C. Il est possible. C. Alors, la réponse est C. Bon. Alors, question 19. La réponse est C. Question 19. Les frais d'adhésion sont-ils renouvelables après la fin de l'exercice? A. Les frais d'adhésion sont-ils renouvelables à chaque exercice de tout nouveau contrat? B. Cela reste à la présentation de l'agence. C. Seule la secrétaire peut décider. Ah, c'est la question. Ok, si la réponse c'est A. Alors, la dernière question. Question 20. Quel est le prix de la durée de la carte? 1. À 10 ans, à raison de 10 000 francs. 3. À 7 ans, à raison de 5 000. C. Pour une durée indéterminée et elle est gratuite. Alors, ici, la réponse est B. Donc, la lettre de réponse. La lettre de réponse, on est le nom de la réponse B. Tu as. Hein? Ensuite, on va faire B. C'est ce que vous faites. Oui. Une fois la question ici, là. Vous pouvez passer par là.
Et on va continuer d'abord dans le débat.
Nous sommes censés parler forcément des commissions. Tout à l'heure, on va se remettre tranquillement dans des décisions sur l'aspect-là. Et pour l'heure, je vais laisser de suivre Francis qui avait aussi sûrement quelque chose encore à dire ce soir, parce que demain matin, il repart sur l'Ivoli très tôt. Et quand ils sont ici, quand vous entretenir, Monsieur Francis est là. Je vous laisse avec Monsieur Francis 10 minutes. Et puis on va revenir dessus. On va maintenant remettre les petites choses que vous avez analysées dans le droit, mais tout ce qui a rapport avec les questions. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc, ils ne sont pas contents de vous voir. Merci pour moi. Hier, je t'ai fait lu. C'est juste des vérités par rapport à tout le monde a le moral. Est-ce que tout le monde a le sourire? Bien sûr. Bon, là, je ne veux plus trop attaquer. Je suis très content. Les gens sont venus légalement appuyer. Hein? Je suis venu avec une mission. D'ailleurs, aujourd'hui, pour moi, les objectifs sont faits qu'à terme. Comment se vend? Descends. Descends, oui. Vous n'avez même plus droit à la conférence. Parce que d'ailleurs aujourd'hui, tout le monde est. Les filles sont très belles, les hommes très beaux, très élégants, de belles chemises. Je vais quand même faire la revue de troupe, hein. Je veux regarder. Ouais. C'est les gamins à fouler. Ça va? Parfait. Du coup, je veux bien. Je t'aime bien, ça va, les gens ne pas les gens. Ils ne sont pas bien habillés. Et là, oui, là, je suis très content. Mais vous comprenez surtout ce qu'ils font. Dani, essaie d'appuyer pour que rentre. Tout le monde est prêt pour lundi. Il y a le moral. Vous voulez quand même qu'on appuie encore un peu en pleine lutte. Il y a encore certains aspects. Donc, il va vous entretenir sur les commissions. Moi, c'est une image. Vous aurez les commissions, il y a les documents qui arrivent. Je vais insister sur deux aspects. Deux aspects. Le premier aspect, c'est sur la confiance en soi. La plupart d'entre vous n'ont pas la capacité de s'exprimer en public. Vous savez, c'est les gens, parler, regarder les gens en face. Il y a ceux qui naissent avec des dons naturels, il y a d'autres qui travaillent ça au fil des années. Mais je vais juste donner deux ou trois topos, surtout pour les femmes. Ce qu'il ne faut pas faire, vous irez devant les clients, les conférenciers, les spécialistes qui m'ont précédé en tout dit. Et je reviens quand même sur ces aspects parce que la pédagogie, c'est l'art de la répétition.
Les femmes, vous avez trop de tics. Quelques touchés les cheveux. Le sourire au éclat. Trop toucher la cuisse. Trop toucher la cuisse. C'est rester intimidé. Parce que lorsqu'on est commercial, c'est comme un ambassadeur. Il fait son discours. Il peut être ministre, il peut être gouverneur, quel que soit le statut social, vous devez être en plus. Parce que les femmes, généralement, lorsqu'elles rencontrent des gars robustes, charismatiques, elles commencent par baisser le ton. Il suffit de l'interviewer ou trois fois. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Dis non, en fait. Donc, ça va pour les femmes. Autre chose aussi. C'est vrai que tout le monde ne peut pas être une guerre, hein. Comme une compétition, tout le monde ne peut pas être retenu. Mais ce qu'on dit aussi, c'est valable. Pour les autres examens, pour les autres castings, pour les entretiens d'embauche et autres, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités qui arrivent. Il faut être sûr. Vous ne pouvez pas aller vendre un produit si vous même n'êtes pas convaincu de vos propres capacités. Au-delà de ce que vous allez vendre, vous vendez d'abord votre propre personnalité. Vous devez être des gagneurs. Lorsqu'on est commercial, on n'est pas quelqu'un qui part avec des doutes. Est-ce que le client là va prendre le produit? Est-ce qu'il va accepter d'acheter les services de Magnifique? Vous devez être convaincu. Et pour cela, vous devez faire vous-même des simulations à la maison. Vous posez toutes les questions. Et je vous ai dit hier, pour ceux qui étaient là, le public gabonais, le peuple gabonais, on a une particularité d'être très petit, moins d'un million, mais c'est le peuple le plus difficile à convaincre. La plus grande improvisation, c'est la préparation. N'allez pas tâtonner devant les clients. Un commercial qui commence à tâtonner fait déjà même peur aux clients. Vous devez être plus convaincu que moi. Moi, je suis déjà convaincu du produit. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, je suis en chemise magnifique. Mais vous devez être plus convaincu que moi. Mais avant d'être plus convaincu que moi, vous devez avoir convaincu vous-même. Et vous dire, l'argumentaire que je vais présenter, même un enfant de 3 ans, va être capable de comprendre. Pas trop de techniques, trop de philosophie, soyez simple. Clair, limpide. Soyez simple. Soyez simple. Parce que ceux qui ont fait les études là, souvent quand ils arrivent, c'est toute la philosophie. Socrate a dit, Heidegger a dit non, 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 non. Il faut jouer avec le temps. La communication, c'est deux variables. Le temps. Le temps, c'est de l'argent. Autre chose, parce que non, je vais vous faire la conférence, mais quand je suis arrivé, votre posture du jour m'a convaincu que tout ce que j'avais prévu d'être réserve ça pour le Mozambique. Là, je voyage demain les deux sur Mozambique. Vous n'avez plus besoin de ça. Hier, vous avez tout compris. Je vois mon contraire. Je vais faire personnel bataille. Voilà. Tout le monde est déjà marié. Donc, vraiment, je repars avec une très belle image de port gentil. Vous êtes des personnes sérieuses, des personnes élégantes. Toutes les filles sont belles. Tous les hommes sont beaux, charismatiques. Et tout à l'heure, à la clôture, on fera les photos, parce que nous, les communicateurs, l'image a plus d'impact que les mots. Je voudrais dire à ceux les livres juste, parce que dans deux semaines, on fera un grand recrutement de mandataires également. Je veux dire, regardez les portes entières. Des personnes sûres, des personnes charismatiques. Des personnes qui ont la gagne. Hier, les trois quarts des personnes qui étaient là, cette salle. Les filles avaient les mal à jouer. Les hommes, comme si c'était retrouvé dans un pays anglophone, tout le monde était stupéfait. Je ne sais pas si c'est le cas, c'est sûr, Dani, le cas est tellement beau aussi. Je pense que vous avez influencé. C'est trop beau. Parce qu'il y a un moment, je ne vous sentais pas. Tout le monde était crispé. Les gens étaient amorphes. Je reviendrai ici lors de l'inauguration.
On juge le maçon au pied de nous. Nous n'avons pas besoin de vendre. Nous-mêmes, on peut vendre à travers les médias, à travers les supports de communication classiques tels que les affiches, les flyers. Nous avons besoin de bons vendeurs. Un bon vendeur, c'est quelqu'un de percutant. C'est quelqu'un qui est capable de convaincre. Quelqu'un de sceptique. C'est quelqu'un qui est capable de transcender. Ne restez pas sur les informations statiques. C'est très magnifique, vous avez toutes les infos. J'ai vu beaucoup les 18, les 16. Il faut aller au-delà des informations. L'approche compte. La manière d'approcher le client. La manière de vous présenter à lui. La manière de prendre la parole, la posture, le regard. C'est ce que nous on appelle le métalangage. Les mots comptent seulement pour 3%. Quand vous êtes bien présenté, bien habillé, bien parfumé, bien coiffé, bien dressé, le reste suit. C'est la petite chose, beaucoup vont sur le net, aller prendre les ouvrages et tout ça, ça ne compte pas. Oui? Monsieur Francis, excusez-moi, je voulais revenir sur la relation client-vendeur. Oui. Est-ce que finalement, le meilleur vendeur, ce n'est pas celui qui, à la place du nom du client, commence à reformuler son offre pour pouvoir, n'est-ce pas, convaincre son acheteur. Son acheteur, bien sûr. Oui. J'allais dire tantôt que la dernière fois, il y a eu une fille ici qui a présenté l'offre à sa mère. Oui. Et sa mère a commencé à émettre le doute. Mais moi, on m'avait dit en commerce que la vente commence à partir du moment où le client dit non. C'est-à-dire que parce que le client m'a dit non, que je deviens très tranchant, que je reformule, que je reviens avec un nouvel argumentaire, et là, on passe à la phase de création de besoins. Toi déjà, tu as des aptitudes, monsieur Daniel, je veux conclure. Toi déjà, tu as des aptitudes que beaucoup n'ont pas. Hein, il faut l'avouer. Hein. Tu es communicateur. Tu as des aptitudes, tu parles avec tes gens. Chacun a sa stratégie. Chacun va bâtir son argumentaire par rapport à ses forces, par rapport à ses faiblesses. Les premières personnes que vous devez convaincre, c'est d'abord dans votre maison. Si tu es un homme, commence d'abord. Quand tu rentres, toi, tu peux utiliser avec ta petite amie. Ouais, avec madame. Si madame n'est pas convaincue, passe la nuit à travailler. Parce que elle est la plus. Il y a tellement de paramètres qui peuvent influencer ton point de vue. Et moi, j'avais ce système-là. Alors, toutes les fois que je passais à la télé dans les émissions, quand j'arrivais à la maison, la première personne qui me disait, c'était ma petite amie. Parce qu'elle t'aime tellement qu'elle va te le dire avec toute l'honnêteté possible. Ensuite, vous avez un enfant de 3 ans, tu passes par l'enfant. Tu dis, papa vient t'asseoir, magnifique. Si l'enfant ne comprend rien, je ne viens pas monsieur Dali, tu dis là, je vois. Est-ce que vous comprenez? Donc vous pouvez me dire ce que tu dis. La pensée commence au moment où il y a des chances. Après le contact, il y a des chances. Il faut lever le niveau. Parce qu'il y a des... Hier, j'ai reçu deux messieurs ici. Qui m'ont presque fait l'historique, telle banque échouée, telle banque échouée. Je ne dois pas dire, tu dois avoir commencé par, tu dois avoir commencé par dire, c'est ça. Mais il y a le même. Il y a l'autre qui m'a posé la question, mais bien, je dis, mais tous les jours, nous pourrons le dire. Vous-même, vous êtes chauffeur, vous tous les domaines. Hein? Chauffeur, en tant que chauffeur, toutes les une semaine, il y a des accidents mortels. Est-ce que cela vous empêche de prendre le taxi comme un chauffeur de vie? Tout le monde est courant, depuis les années 80. Mais toutes les personnes qui prennent le risque d'aller faire les enfants avec les femmes, ils sont conscients que c'est bien. Yo, mais je n'ai pas vu ça. Je dis, il y a le risque, mais nous, on jugule le risque. Donc, il faut préparer toutes les réponses possibles. Là-bas, vous n'allez pas mentir. Ici, on aura les résultats de tout le monde. Donc, ça demande une grande préparation. Je ne peux pas vous venir ici vous donner. Tous les experts sont passés. Chacun a sa stratégie. Mais commencez par vous convaincre vous-même. Toi-même, quand tu parles, tu te regardes dans la glace. Tu dis, est-ce que là, moi, je suis convaincant? Tu peux mentir à tout le monde, toi-même. Donc, tu te regardes dans la glace, je ne suis pas convaincant, c'est pas bon. Mais là, si tu vois que tu n'es pas très convaincant, il faut cibler le type de client, les maliens. Je ne suis pas éloquent.
Je vais chez le manière, tu dis Jibril. Moi, tu vas là, mec. C'est ça la stratégie. Nous sommes ici. Moi, je suis venu pour donner les propos. La stratégie, c'est l'ensemble des moyens mis en œuvre pour atteindre un objectif. Si tu veux faire ton compte, tu vas t'asseoir au marché. Maman, oui. Tu vends, oui. Moi, je te propose quelque chose. Ça, là, maman. Si tu investis 100 000, ne cherche pas à dire, investis plus. Maman ne connaît pas ça. Et tu vas faire la guerre. Maintenant, ceux qui ont du tenus. Ceux qui ont la force de frappe, vous pouvez ciser les poids lourds. Les banquiers, les responsables d'administration, les fonctionnaires. Mais si tu penses que tu ne parles pas trop bien, va, commence par Marega, lui qui va le faire, moi-même, c'est ça la stratégie. Ne courez pas. Vous voyez un peu? Il y a certains d'entre vous qui ont des aptitudes naturelles, qui s'expriment tellement bien, mais il y a d'autres qui s'expriment moins. Il y a d'autres qui ont peur des regards. Le simple fait de se pointer au marché, deux personnes, qu'est-ce que tu fais là? Non, je suis venu acheter. Oh, il est même venu pour moi. Vous comprenez? Donc, il faut vous appuyer sur vos forces. Il faut vous appuyer sur vos forces. Je ne peux pas vous envoyer sans connaître les compétences des uns et des autres. Moi, je suis juste là pour dire que vous pouvez. Je suis capable de faire la démonstration pour vous tous ici. Vous pouvez. Il faut commencer par un qui a peur. Je sais que vous avez peur. Le plus hier, aujourd'hui, tout à l'heure, ça commence à aller. Mais hier, tout le monde avait peur. Peur d'être éliminé. Peur d'être disqualifié. Il y a même qui ont disqualifié dans cette salle-là. Si on prend le pôle, il y a beaucoup même qui veulent être échoués. Il se lâche pas que c'est plein jeu. Il se lâche pas que c'est plein jeu. Donc, je vous souhaite bonne chance. Ayez foi en vous, ayez de la détermination, dites-vous que c'est une opportunité. C'est pas un jeu, nous sommes dans l'enjeu. Bonne chance et bien de choses à vous. Maintenant, ceux qui veulent les échanges, on va se retrouver en ordre. Merci. Merci. Ce qui concerne l'évolution, on n'est pas en train de baser, on avait franchi sur une main de 30 par contre, mais on s'est rendu compte que ce n'était pas intéressant parce que ici, si quelqu'un faisait un contrat de 500 000 francs, il aurait touché une somme comme celle-ci, ce serait pas intéressant. Donc on a fait un système qui devait être plus, on a augmenté le contrat. Il est plus aussi parce qu'on avait plus sa condition liée. Donc c'est sur cette base qu'on a établi les commissions. Donc comme je disais tantôt, on a pensé qu'il était intéressant pour vos fonctions pour nous. Parce que la base, c'est un partenariat win-win. Voilà pourquoi, pour la première fois, pour cette campagne, nous allons venir sur le pire. On a décidé de bloquer la partie sur le problème. Et mademoiselle Piska, s'il vous plaît, on dit, si vous pouvez remettre les documents, vous allez prendre connaissance de l'évolution, vous allez avoir sur ce sur plus et sur l'actionnariat. On va aller un peu trouver ici, ce sont les fiches, vous montrez les fiches. Ce sont les fiches. Quand vous allez travailler chaque semaine, vous allez réaliser chaque semaine, vous faites des rapports de temps, vous faites des rapports de gestion. Je vais vous remettre aussi ici les protocoles d'accord. Pour ceux qui vont passer ce protocole-là, vous avez ce soir jusqu'à demain à 14h pour aller rapporter. Il faudrait que vous puissiez notamment les examiner et puis les rapporter, les signer, okay, les rapporter ici. Plus tard, d'ici demain à. Si demain à 14h, ce soir jusqu'à demain, on vous attend. Ceux qui auront accepté de collaborer en principe pour les droits de protocole signé. Sinon, ça va pas le faire. Thank you.
Donc ici, peut-être on voit qu'il n'y a pas un nombre ici, il n'y a pas de c'est vous-même qui définissez parce que ça va être là que vous verrez. Mais non, nous allons partir sur la base d'un mois. Pendant ce mois de cette période, c'est une période d'observation, parce qu'on n'a pas clôturé la sélection en tant que telle. Il faudrait que nous créions des jours bien, on dessine un bloc bien solide. C'est après cette période-là que nous allons. Que ceux qui vont rester, vous ferez toutes les pages, vous ferez tout ce qu'il faut. On va nous ramener à la disposition de tous. Et ceux qui vont être proposés de l'offre, on va faire un peu de temps. Peut-être que vous ne serez pas bien tout le monde. Okay. Non, tous les moyens nécessaires, peut-être on va aussi une flotte, pour tous ceux qui sont en village. Et tout là, pour ceux qui seront revenus dans le plan local, la chance qu'on va ouvrir dans la vie. Je veux dire qu'ils auront le cadre à moins de 300. Toujours le système de commission va continuer. Et puis quoi encore, on devra aussi quand même aller sur la base aussi d'une assurance santé différente. Nous aurons tous ces avantages-là, tous les avantages qu'on travaille normal en CDD ou en CDI, on peut pouvoir avoir. Voilà. Donc, on va bien un peu. On va évoluer. Je vais vous remettre les protocoles en question. Vous pouvez les dessiner, les protocoles d'accord, s'il vous plaît. Donc, passez-les-moi. Ce protocole d'accord là, c'est ce qui va vous engager pendant la durée de votre période de terrain. Les stratégies qu'on a déjà expliquées, c'est à vous de définir, de travailler. On ne demande pas d'aller sur le terrain confort des autres, là, avec une t-shirt pour transpirer, pour s'emmerder, sous le soleil, non pas du tout. C'est à vous de définir votre objectif. Il y a des
C'est deux exemplaires par personne. Donc si vous avez déjà deux exemplaires, c'est bon. Thank you.
Vous allez sur le terrain, comme on disait tantôt, et vous donnez des pieds, vous allez trouver. Mais nous vous avons. Dans la mesure où vous devez rapporter le protocole, d'accord, vous devez signer. Ce que je parle, moi. Bonjour, je reviens pour la formation va s'achever aujourd'hui, la partie de l'un, vous aurez même de pouvoir commencer à procéder. Pour ceux qui seront bien sûr, vont vous êtes dans le jeu, je précise encore, pour ceux qui vont étudier les écoles, d'accord, qui vont étudier pendant toute cette période. Après ça, si tout se passe bien, au principe, on devrait signer un contrat un peu plus long, sinon de 3 mois, ce sera renouvelable. Et comme monsieur vous est en train de suggérer, on mettra à disposition tous les outils nécessaires qui vont permettre non seulement d'être pour créer le représentant, mais aussi, déjà, vous l'êtes déjà, okay. Vous avez été retenu, vous n'êtes pas ici pour rien. Mais après cette période, vous savez qu'on doit former, on doit définir un nombre exact, parce qu'aujourd'hui, la forme de nous, les résultats, il faut qu'on définisse un nombre exact de personnes, puisque on doit mettre des moyens qui leur permettent de mieux manger. Les supplémentaires. C'est un supplémentaire. Vous avez deux comme ça. Non. Excusez-moi, je ne comprends pas. Vous avez deux comme ça. Et vous devez garder les deux affaires. Et la première est rapportée de main. Je vais faire comme ça, bon, Leslie, on est là. Vous êtes scanné. Avec les réponses.
Si vous avez remarqué que le document de la question, on peut le restituer. Le document de la question, par erreur, je vous promets, le moment où il y avait la question, je vais vous promener à vous la question. Bon, café. Oui. Donc, très bon. En principe, vous pouvez déjà poser ceux qui ont reçu leur question. Vous pouvez déjà vous poser. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous en marcher. Il y a Bon, Michel, on en reçoit, et surtout, on en parle déjà. Mais c'est un problème. Thank you.
La question sur l'évaluation des choses à l'humain de alors, Pierre Brice. Je vais vous montrer.
La liste est pas voilà aussi le comment ça je vais ramener la porte. Oui, on a bien oh, mais ça, c'est oh, j'en suis mort. Tout le second groupe est là, présent dans la je vais venir avec elle. Mais c'est elle qui me fait investir. Ça me rassure quand je la vois. C'est déjà rassuré. Donc, c'est elle qui me rassure. Donc, prenez un exemple. C'est elle qui me rassure. Vous avez déjà réfléchi. Vous avez déjà réfléchi. Vous me mettrez de côté. Vous avez le temps pour pouvoir coucher ici. Les manger quand même pour ça. Pour pouvoir travailler ensemble. Nous avons
Je vais utiliser le noir. Les fiches de frais. Non, il va remettre ça après, mais après, c'est fini. Je Thank you.
Vous avez terminé? Bon, plus de 5 minutes. Hein. Juste pour voir si vous avez l'essentiel. Je pense que la SCG est un peu contre nous. Oui, mais. Mais que nous, on a fait le plan B. Là, ils avaient fait le plan B. On a notre plan B. Je suis un peu plus de temps.
SG, sois maudite.